portable sonne. Ouais, parce que j'amène toujours mon portable au cas où une fille m'appelle. Ah non, c'est toujours pas une fille. Bon Nico, comment c'est? La forme? Ouais. Ouais, j'ai vu ça que tu joues en première, c'est énorme ça, c'est cool. En même temps, t'es meilleur de la B, donc c'est normal que tu joues. Et puis, Reg, il a plus le niveau de toute façon. Bref, on parle de tout et n'importe quoi, et d'un coup Nico m'annonce. Sérieux, tu me maries? C'est bon ça, le 13 juillet? Excellent. Oh, t'es moi? Ouais, t'as trouvé personne? Bon bah si vraiment t'es emmerdé, je ferai l'effort. Ouais, non, mais si je peux déballer, je le ferai, t'inquiète. Hein. Et du coup, je suis tout seul ou dans cette galère ou... Non, j'étais pas tout seul dans cette galère. Il y avait aussi Ronan, Catherine et Agnès. Je raccroche, ramasse mon PQ, et je me dis que c'est normal que je sois témoin. Je suis super proche d'eux. Enfin, surtout proche d'alors à une époque. Faut dire qu'à l'époque, j'en balais un stock. Mais bon, ça, c'était avant. Bref, c'est pas le sujet. Là, je me suis dit qu'il fallait que j'appelle Ronan pour le féliciter. Ouais, Ronan. Ouais, c'est Kéké, là. Je te dérange pas. Je viens d'avoir Nico, là. Trop énorme, du coup, on est témoin, ça va être trop bon. Ah, t'es pas au courant? Non, rien. Tu verras pour faire, nous, on se verra chez Code ce soir. Ça marche. À plus tard, ciao. Bref, j'ai craqué. On est allé chez Kevin. Kevin était en retard. On a dû l'attendre. Et Agnès et moi, on n'aime pas attendre. Kevin et Ronan sont arrivés. Kevin faisait la gueule. Il avait passé une journée galère. La fille d'hier soir l'avait pas rappelé, mais je me suis dit qu'elle avait peut-être pas l'âge d'avoir un portable. Et puis il avait perdu son pot d'échappement en allant jouer au foot à Scrignac. Mais bon. Bref, pas de sujet. Agnès était trop stressée. Elle avait trop la pression. Anne-Laure avait géré comme témoin et elle voulait faire mieux. Bon, vous avez réfléchi à des animations, des trucs? Non, je vois pas trop. Non, franchement, non. Mais apparemment, personne n'avait travaillé sur le sujet. Tu sais si Nico a des cousines célibataires? Je sais pas, moi, Kevin, je les connais pas. Si, allez, je cherche des animations plutôt. Ouais, c'est pas pressé, on a le temps. Tu sais si Anne-Laure a des copines de boulot célibataires? Kevin, je sais pas, moi. C'est pas le sujet. Pff, allez. On a pensé à plein de trucs. Kidnapper une vache. Et même kidnapper Nathan. On a voulu aller voir sur internet. Mais chez Kevin, pour aller sur internet, faut capter les réseaux du voisin et c'est pas évident. Attends, ça y est, ça capte, on bouge plus. Le portable de Kevin a sonné. C'était la fille d'hier. C'est la fille Son d'hier. Son scooter était en panne, il devait aller la chercher, mais il avait plus de pot d'échappement, donc Ronan s'est proposé de l'accompagner. Ils se sont tous les deux barrés et nous on s'est retrouvés toutes les deux chez Kevin et on s'est dit qu'on n'avait pas avancé. On n'a pas avancé? Non. Je me suis dit que j'avais une idée. Je crois que j'ai une idée. T'as une idée, toi? Agnès a paru étonnée que si j'ai une idée. Si on faisait appel à des consultants locaux. Ah ouais, des consultants. Lui c'est con. Oui je suis con. Lui c'est sultan. Oui je suis sultan. Nous sommes les consultants. Et on va prendre les choses en main. Ils ont pris les choses en main. Ils ont proposé de faire un lip dub. J'ai trouvé une idée, on va faire un lip dub. J'ai déjà le scénario, tout est calé. Ouais bof. Oh non, venez vite, c'est le bordel. Pas terrible. En plus, je sais pas, ça me rappelle quelque chose. Non allez, on laisse tomber. Les consultants ont repris les choses en main. Enfin, ça tenait plus dans leurs mains. Ils ont décidé qu'il valait mieux appeler du renfort. C'est quand même trop bien. Anne-Laure et Nico, ils vont être hyper beaux là tous les deux en juillet. Quoi? Nico est plus accessible? Nico et Cécile? Et attends, c'est comme si on disait que Anne-Laure était encore avec Baudiou. Mais ils sont passés où encore les autres? Dans leurs amis, il y avait des gens bizarres.
vraiment très bizarre. Ça commençait à partir dans tous les sens. Vraiment tous les sens. Tony, Tony, je suis trop belle en mariée, tu veux pas m'épouser ? Des couples improbables se sont formés. Vraiment très improbable. Saperlipopette ! Oui, je sais, Saperlipopette, c'est un peu naze. Elle allait dire putain, mais on n'a pas le droit de dire putain devant Anne-Laure l'institutrice. Nico et Anne-Laure arrivent ! Cassez-vous, cassez-vous, Nico et Anne-Laure arrivent, allez, 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 allez. Ouais, Jean, on va voir les cochons ? Là, on dirait un Christelle. Mais à Pérounel, c'était pas vraiment mieux. Viens pas là, ma petite galipette. Toujours des gens bizarres. Des déclarations improbables. C'est comme ça, tu veux pas m'épouser ? Mais si, non, ne saute pas, épouse-moi, s'il te plaît. Des consultants inutiles. Des péripatéticiennes à la pêche au gros. Oui, encore une fois, péripatéticienne, c'est naze. On voulait dire pute, mais on ne voulait pas froisser Anne-Laure l'institutrice. Du n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Heureusement que mamie était là pour reprendre les choses en main. Bon, ça y est ? Ah non, ça va être bien. Et c'est vraiment du n'importe quoi. Eh, leurs copains, c'est vraiment des gros nazes. On était mieux tous les quatre ensemble. C'était une idée de qui, en fait ? Les consultants ! Dehors ! Bref, on s'est fait virer. Bon, le mariage c'est demain quand même. Ça serait peut-être sympa qu'on finisse par faire quelque chose. Ouais, mais je pense qu'ils ont certainement des cousins et des cousines qui font des chorégraphies. Ouais, de toute façon, j'aurai au moins un oncle qui aura prévu quelque chose. Bon, ben. On laisse tomber alors. Ouais. Eh, je vois pas. Concis en quatre lettres. Ben, bref.